Si tu pouvais me comprendre. La première fois, c'était comme une pulsion. J'étais vraiment mal. J'étais effrayé. J'avais peur que la police me retrouve. Mais j'ai eu de la chance. Ils en ont conclu un suicide. La deuxième fois, c'était un accident. Allô? Ici le cabinet du docteur Claude Bernard. Nous vous appelons suite au test de Folsen que vous nous avez demandé. Nous aimerions savoir quand vous êtes disponible pour prendre rendez-vous à notre cabinet pour qu'on puisse en parler. Monsieur Rougeron? Allô? Monsieur Rougeron? Vous m'entendez? Je vous rappelle. Pas de bol, un coup du sort. Bon, c'était qu'un pauvre ivre, il ne manquera à personne. La troisième fois, c'est venu comme une évidence. Mais, qu'est-ce que tu fais? Jason, rentre dans la voiture. Mais c'est rien. Rentre dans la voiture, je te plante. Qu'est-ce que tu regardes là, hein? Dégage. Compris? Tu sors pas si je te dis pas de sortir, ok? T'as rien fait de mal, j'ai dansé comme une pute! T'arrêtes de sortir quand je te dis pas sortir, ok? Installe-toi, je te dis de t'installer! Allez! Allez! Oh. C'est une expérience différente. J'avais l'impression d'avoir fait une bonne action. J'étais fier de moi. J'avais l'impression d'être un... Puis finalement, j'ai vite compris qu'être un héros ne m'intéressait pas. Après ça, je n'ai plus jamais été bon. J'ai toujours eu ce besoin. J'ai essayé d'arrêter, mais en vain. Les occasions se sont toujours présentées à moi. Mais pourquoi je te raconte tout ça? Peut-être parce que tu vas tout oublier dans 5 minutes. Tu sais pas le bien que ça fait d'en parler. Sylvain. Non. C'est Pierre, ton fils. Bon, tu as l'air fatigué, maman. Je vais te laisser te reposer.